Yo tout le monde, c'est Lévi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo disponibilité du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien. Donc voilà, donc on va commencer les disponibilités. Donc je vais commencer par les œufs. Donc en disponibilité en œufs, j'ai des Periphetes fuscipatus. Donc j'en ai vraiment pas mal. Donc si vous en voulez, dites-le moi. Donc ils sont en période d'éclosion. Donc voilà. Donc j'ai entre 3 et 6 naissances par jour en ce moment, donc ça me fait vraiment pas mal de naissances. Donc voilà, donc c'est 1€ les 10 œufs, hein. Voilà, les œufs. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous en voulez. Donc les œufs sont fécondés, hein, bien évidemment. Paramexenus laetus. Alors, en période d'éclosion, même si j'ai pas énormément de naissances en ce moment, parce qu'il y avait le début des pontes. Puis à un moment donné, il y avait une petite pause où ils pondaient plus beaucoup. Puis après, ils ont repondu beaucoup plus. Donc voilà, donc là, c'est à la période de la pause. J'ai une naissance tous les deux jours à peu près. Donc voilà. Donc si vous en voulez, j'en ai en dispo. Donc c'est 1€ les 10 œufs aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc j'ai des œufs. Donc en période d'éclosion aussi. Et fécondés normalement. J'ai eu des accouplements sur plusieurs femelles. Donc. Il y aura des œufs fécondés. Donc voilà. Donc sinon pour les incubations prochainement, alors j'aurai du Lamponus guérini, je pense, parce que ça pond beaucoup. Bah là ça commence à bien pondre. Parapachymorphason pruii pareil. Et Extato, vous pouvez déjà commencer à m'en réserver. Parce que ça pond bien. Voilà. Ça pond entre. Là je ramasse une quinzaine d'œufs par jour au moins. Donc ça pond pas mal. Mais vraiment pas mal. Donc voilà, donc sinon on a je crois du coup que Lamponus, Parapachymorphason pruii, Extato prochainement, et sinon Paramexenus et Periphetes en disponible. Donc voilà, donc on va continuer les disponibilités avec cette boîte là. Donc il y a plusieurs espèces mélangées. Donc j'ai mis les Periphetes fuscipatus, donc là vous pouvez en avoir. Donc là j'ai eu quelques pertes, hein, malheureusement j'en ai eu. Deux, hein. Donc voilà, j'ai eu quelques pertes, mais ça c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai pas encore de L2, mais vu que j'ai tellement de naissance, ben voilà, j'en ai pas mal. Donc ça fait, c'est 50 centimes pièce pour eux. Donc voilà, donc dites moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Donc c'est du L1, espèce très très facile à lever. Donc voilà, donc 1€ pièce. Paramexenus laetus, c'est L1, et je commence à avoir quelques L2, mais j'en ai pas. Bon, ceux-là, mais j'en ai pas beaucoup, à part les 10 que j'ai gardés, mais voilà. Donc, si vous en voulez, c'est 50 centimes pièce aussi. Donc voilà, donc dites-le moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ces deux espèces. Sinon, en disponibilité, alors, ça je peux vous le donner si vous achetez une des espèces. Donc j'ai deux Lamponus qui sont nés, mais bref, je vais pas les garder, ça me servira à rien. Parce que voilà quoi, cette espèce... j'ai déjà une autre souche, donc ça me sert à rien. Vous voyez des Periphetes, j'en ai là et tout. J'ai quelques naissances de Lophophus en dispo. Là, il y en a deux. Ça, c'est celles qui sont nées cette semaine. Donc si vous en voulez, bah, vous pouvez en avoir. Donc c'est 50 centimes pièce aussi. Donc les autres Lophophus, je les vends pas parce que je sais pas s'ils sont vraiment beaucoup viables parce que j'ai pas énormément de naissances. Donc je préfère pas vous en vendre et que vous avez pas beaucoup de naissances, voire pas. Donc voilà, parce que... je crois que ça fait 2 mois que ça naît, j'ai eu une quinzaine de naissances, c'est tout. Donc voilà, même j'ai déjà du subadulte. Donc voilà, pour eux. Donc si c'était pour cette boîte. Et sinon, dernière disponibilité, les trachéidons brutnerii. Donc là vous pouvez en voir, donc ils sont tous L4. Donc voilà, donc il y en a 12. Donc eux c'est 1€ pièce. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye !